Ça fait un bon moment que je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Je vois défiler évidemment des choses extrêmement intéressantes qui m'ont beaucoup enrichi. Je n'ai pas d'image à projeter, alors je vous invite simplement à imaginer un grand désert, donc de sable, de rocailles, très grand, comme ce que j'appelle un gouffre horizontal, c'est-à-dire l'infini partout, le silence. Et au milieu de cet infini et de ce silence, une petite tache verte, un petit biotope, un petit écosystème qu'on appelle les oasis. Et c'est dans une de ces oasis, réalisées par les êtres humains, dans les zones les plus arides, que je suis né. Donc silence, le minaret, les cinq prières, la journée. Et puis, on dirait que ce vaisseau, au milieu de ce grand désert, est installé pour l'éternité et depuis l'origine de la vie. Et puis, tout se passe bien, un père forgeron, qui est à la fois poète et musicien, qui enchante les gens par sa musique, et en même temps, toute la journée, eh ben, il pétrit le métal et fait chanter l'enclume. Et l'enclume chante dans la cité. Les gens viennent, s'assoient, devisent. Ben, cette cité a été créée au XVIIe siècle par un thaumaturge soufi, dont l'enseignement était la non-violence. Il avait compris que la violence n'amenait que de la violence. Et puis tout d'un coup, grand séisme, il se trouve que ce pays était colonisé par la France, et puis les géologues, je ne sais qui, découvrent du charbon. Et en découvrant du charbon, alors bien sûr, on bascule, la modernité était là. Ce qui fait que toute la population devient des salariés, mineurs. On exhume cette matière noire qu'on avait sous les pieds, mais dont on ignorait la présence. Et puis, mon propre père se trouve au chômage, puisque les gens pour qui il travaillait, il forgeait les outils, ne le consultent plus. Donc, du coup, il est obligé lui-même donc de devenir mineur. Et puis, c'est la fin du chant de l'enclume. Je vois ce père qui avait certaines noblesses revenir tous les soirs noir de charbon. C'est-à-dire que je l'ai ressenti très fortement comme ayant subi une forme d'humiliation du destin. La modernité était là. Et il se trouve que dans les mêmes périodes, ma mère meurt, mon père se questionne sur le futur et dit finalement... Ben, la règle du jeu n'est plus entre nos mains. Donc il me confie un couple de Français, un ingénieur et une institutrice migrés dans le pays pour ce travail des mines. Et puis je rentre dès l'âge de 5 ans dans la modernité en n'ayant pas connu ma mère. Et je rentre dans cette modernité, donc finalement, où je pars, je saute de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme, disons du feu au milieu de la... pièces aux brosses à dents, etc. Et je me trouve, disons, pris dans ces deux cultures, sauf que ces deux cultures, il y a des éléments convergents qui sont très peu convergents, et il y a beaucoup de divergences dans la vision et dans la façon et dans la culture. J'assume cette question-là, et puis finalement, ça m'interloque, et je suis scolarisé, je suis un élève moyen pour faire plaisir à mes enfants, à mes parents. Mais ce qui m'interroge, c'est finalement mon identité. Qui suis-je et qui a raison? Est-ce que c'est la population traditionnelle, la population moderne? Avec ce discours contradictoire, eh bien, je démarre dans cette interrogation. Et je fréquente, évidemment, plutôt que d'être faire des éclats en chimie, en mathématiques ou autre, ben, je fréquente beaucoup les philosophes, c'est-à-dire ceux qui, finalement, s'interrogent profondément sur le sort et le sens que peut avoir l'humanité. La guerre d'Algérie arrive, je quitte l'Algérie, non pas parce que j'avais fait un choix quelconque, mais simplement parce que je devais venir. Il faut rappeler aussi que quand on m'enseignait, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois.
Alors, il n'y a qu'à me regarder pour se rendre compte que c'est l'évidence. Ou alors, je suis le seul Gaulois. Bon. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire conditionnement, ça veut dire assimilation, ça veut dire intégration de la personne dans une idéologie. J'arrive à Paris, exclu des deux cultures, je cherche un travail et je m'aperçois finalement que je n'avais pas acquis de qualification. Je pouvais faire peut-être une bonne dissertation sur Socrate, que j'aimais beaucoup, mais mon employeur ne semblait pas tellement intéressé. Donc je deviens ce qu'on appelle en OS, ouvrier spécialisé. Et pourquoi on appelle ouvrier spécialisé? C'est justement celui qui n'est spécialisé en rien. Voilà. Même si j'étais P2, hein, s'il vous plaît. Donc je suis dans ce microcosme du travail et j'essaye, comme je faisais beaucoup de philosophie de l'histoire, d'anthropologie, etc., j'essaye de donner une configuration à ce système dans lequel j'étais. Et c'était toujours la pyramide qui s'impose. Il y a des gens importants en haut de la pyramide et des gens pas importants en bas de la pyramide. Et il y a une hiérarchie. Il y a le PDG, le directeur général, les cadres supérieurs, les cadres un peu moins supérieurs, et puis on descendit jusqu'à nous, OS, qui, comme dirait Fernand Reynaud, nous n'avions personne à vexer. Voilà, on était la dernière strate. Voilà. Et dans ce monde suractivé, où finalement on a donné au travail, le travail est une vertu, on n'arrête pas d'ajouter que le travail est une vertu, pratiquement un homme qui est travailleur est un homme de choix dans le système social. Et puis cette effervescence interne au système, elle est aiguillonnée par le fait qu'il faut produire de plus en plus, qu'il faut être un bon travailleur, et puis finalement on aboutissait à hausser le produit national brut à travers cette effervescence, mais sans l'équité que j'aurais souhaité. Et puis, la grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, je trouvais une série d'incarcérations, à tort ou à raison. De la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, hein, bien entendu. Et puis vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant, la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que si vivre, c'est subir cette incarcération à vie jusqu'au moment où le système vous rejette finalement pour aller dans la transition avant votre disparition, eh bien ça veut dire quoi? Aliénation. Aliénation fondamentale de l'être humain. Et donc à partir de là, bah évidemment, vous vous étonnerez pas que je n'ai pas du tout souscrit à cela et que je me suis dit, il faut que je retrouve un autre temps, un autre espace, c'est d'aller reconquérir en quelque sorte la liberté de faire de ma vie ce que j'entends faire de ma vie et non pas être déterminé parce qu'on m'impose un système. Ça a été un retour à la terre avec mon épouse en Ardèche du Sud et là ben, je rencontre l'agriculture nous choisissons un lieu et comme si nous étions stupides on choisit un lieu qui dont le sol est dégradé, difficile, etc., avec sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans rien du tout. Et le Crédit Agricole à qui je vais emprunter, il me dit, vous êtes fou de vous installer là. J'aurais eu du mal à expliquer qu'il y a un facteur important pour nous dans ce choix, c'est la beauté du lieu. Ce n'est pas seulement sa rentabilité. C'est la beauté que nous ne voulions pas renoncer à cette beauté du lieu. Et seconde phase, donc je suis ouvrier agricole et j'apprends l'agriculture moderne, qui intègre évidemment les engrais chimiques, les pesticides, on passe son temps à tuer et à polluer. Et en même temps, dans les sols, donc on met des engrais chimiques qui détériorent les sols, qui vont polluer les nappes phréatiques, etc. Et donc là, il n'était pas question de souscrire non plus à cette logique-là. Ce qui m'a amené à dire à l'agriculture écologique, et à partir de ce moment-là, j'ai bien compris qu'on pouvait parfaitement demander à la Terre de nous nourrir en quantité, en qualité, et en même temps à l'améliorer, à améliorer sa qualité et à la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent. Donc on commettait en quelque sorte un acte de guérison, un acte de responsabilité à l'égard de cette vie.
Alors on nous dit, vous ne réussirez jamais. Et si, on a réussi. On a réussi à élever nos 5 enfants, tous musiciens, tous, etc. Donc on n'a pas été, si vous voulez, dans le misérabilisme, mais retrouver l'équilibre, c'est-à-dire dire il faut intégrer la vie dans l'équilibre, c'est-à-dire que si on rentre dans trop d'excès, c'est l'aliénation, et si on reste dans la modération, cette modération met les choses à la mesure de nous-mêmes et nous donne l'équilibre et donc la joie d'être, en répondant bien entendu aux nécessités les plus élémentaires et même en laissant une phrase très importante à ce qui concerne la promotion de l'être humain lui-même, de façon à ce que la vie ne soit pas simplement une vie besogneuse, mais soit un temps dans lequel eh bien, on trouve son épanouissement. On va avoir l'espace qu'il faut pour pouvoir s'occuper de soi-même, de son intériorité, développer des compétences qui ne sont pas simplement les compétences marchandes ou les compétences indexées sur la valeur financière, mais se libérer, disons, du superflu le plus possible pour pouvoir retrouver la liberté d'un développement personnel. Chemin faisant, l'agriculture écologique démontre sa capacité à régénérer les sols, à donner, et je suis invité dans des pays africains où je propose l'agroécologie comme alternative à des paysans qui ont subi le cataclysme de la sécheresse et qui en même temps sont en situation de ne plus pouvoir se nourrir correctement puisque les engrais coûtent cher, polluent les sols, etc. Et donc je propose l'agroécologie, on crée le premier centre de formation à l'agroécologie et aujourd'hui il y a 100 000 paysans qui pratiquent ces méthodes plus ou moins bien, mais enfin on peut dire il y a 100 000 paysans qui ont été éveillés à ce principe selon lequel on peut parfaitement prendre un sol dégradé, le régénérer, le rendre fertile et en même temps répondre d'une façon meilleure à ses besoins alimentaires puisqu'ils sont les besoins fondamentaux sans lesquels rien d'autre ne peut exister. Ça fonctionne. Et puis l'idée générale, la réflexion sur l'écologie prend une certaine ampleur et effectivement, arrivé en 2002, des amis me poussent à me présenter aux élections présidentielles. Alors vous avez failli avoir un Obama, mais enfin c'était pas vrai. L'objet n'était pas du tout de faire de la politique politicienne dans le sens classique, même si j'ai, disons, été obligé d'adopter évidemment le scénario. Mais l'idée était de dire il y a une urgence absolue, c'est de mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations. Avant toute chose, toutes affaires cessantes, aujourd'hui, c'est l'humain et la nature. Parce que, en fait, ma question est de savoir si, par exemple, des extraterrestres nous observaient et nous étudiaient, ils seraient amenés à conclure. Ils sont surdoués, mais inintelligents. C'est parce que le fait, c'est pas parce qu'on est surdoué de connaissances, etc., qu'on a organisé le monde tel qu'il devrait être organisé. En plus, sur des disparités et des injustices inouïes, où 4/5 de la population du monde ont à peine de quoi répondre à leurs nécessités simplement vitales, et le cinquième qui dépense, qui évidemment festoie, après avoir pillé d'ailleurs, ou continué à piller, le territoire des autres. Donc du coup, cette inéquité et cette disparité me paraît être l'alternative première à régler, si on ne règle pas. La subordination de la femme subordonnée. Non, la femme ne doit pas être subordonnée. Elle doit constituer l'élément qui va nous permettre l'équilibre féminin-masculin, qui va redonner à la société, évidemment, une sensibilité autre et rééquilibrer le tout. Et dans ma campagne électorale, bien sûr, j'insistais beaucoup sur la nécessité de l'éducation, la nécessité de relocaliser l'économie pour ne pas être obligé de subordonner à des transports d'alimentation, etc. Et donc, toutes ces choses-là, j'ai peu de temps pour vous les expliquer, mais en tout cas, elles ont constitué, si vous voulez, une espèce de démarche qui s'est de plus en plus confirmée. Et finalement, la grande interrogation, vous savez, j'ai pris la phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde » ou « La beauté pourra sauver le monde ». Je ne me rappelle plus exactement et je me suis beaucoup interrogé sur cette notion de beauté qui sauve le monde. Je me suis dit, bon, est-ce que nous avons beaucoup de musique, nous avons beaucoup de tableaux, nous avons beaucoup de monuments extraordinaires, mais est-ce que ça a sauvé le monde ? Non.
Donc l'interrogation aujourd'hui, c'est quelle est cette beauté qui peut sauver le monde? Elle est en nous. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion, c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes et pourtant qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et sans amour, il ne peut pas y avoir. L'autre élément pour aboutir à cela, on me dit les alternatives, d'accord, mais je dis aux gens, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer solaire, exploiter votre prochain, c'est pas incompatible, c'est pas les alternatives, vous voyez. Donc il faut faire attention qu'on ne se perde pas dans les substitutions à quelque chose que l'on récuse et oublier que la première substitution à faire, elle doit se faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie. Et si nous ne forgeons pas une vision comme celle-là, eh bien, on finira par, évidemment, probablement disparaître. Alors, pour finir, si vous voulez, je me suis posé beaucoup la question finalement, quelle est la vocation de l'être humain sur Terre. Nous avons une vision, malheureusement, d'une planète qui est pourtant magnifique, mais que nous ne voyons pas comme un présent extraordinaire du destin. Elle est toute petite, finalement, perdue dans un immense désert sidéral. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est la voir comme un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, etc. Là, il est l'intelligence radicale et profonde. Si nous ne revoyons pas cette vision-là et la changer. Alors, pour finir, je vous citerai une anecdote qui illustre ce que j'ai envie de vous dire. Et je regarde je suis à zéro. Voilà. Bon, alors il faut que... Il faut maintenant, je vais quand même transgresser un petit peu, avoir un petit chouïa de plus pour quand même conclure. L'agriculture écologique a démontré que ça peut être une voie véritablement où on devient un petit thérapeute de la terre, on en prend soin, on la nourrit et c'est cela qu'il faut développer. Et par ailleurs, je citerai une anecdote que j'ai vécue en Ardèche, puisque nous avions notre ferme, notre troupeau de chèvres, etc., et que nous avions construit notre petite liberté sur des actions qui ont eu du sens pour nous et qui nous ont amené beaucoup de bonheur, mais sur le principe de sobriété. C'est-à-dire qu'il était le principe de sobriété et de modération, il est libérateur, tout de suite libérateur. Parce que le problème de la société humaine, c'est que l'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite. Et comme le superflu n'a pas de limite, donc on est dans cette croissance économique exponentielle qui ne se met aucune limite, ce qui fait qu'évidemment, dans ma campagne électorale, j'ai posé un blasphème, la décroissance. Mais ce que j'entendais par la décroissance, ce n'était pas le retour en arrière, c'est-à-dire une civilisation de la modération. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une expérience formidable d'acquis que nous avons eu, formidable, et on en a cité tous ces acquis. Simplement, est-ce au service de quoi, de quel paradigme nous mettons ces acquis? Il est certain que si nous ne prenons pas l'option d'une civilisation de la modération, si nous ne prenons pas l'option du changement de société par le changement humain, si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie, la vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir de prix. Si on lui met un prix, on la profane. Si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète, il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident. Et ça, c'est...